de vous saluer ce matin de par le monde, parce que nous croyons que aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Le dimanche c'est le jour du Seigneur, le jour où Jésus a quitté le tombeau. Le tombeau était resté vide afin que toi et moi nous puissions recevoir la vie. L'homme pécheur, après que Dieu puisse le créer et le placer dans le jardin d'Éden, et l'homme insatisfait voulait toujours découvrir d'autres choses et même aller au-delà de ce que Dieu l'a demandé de faire. Et c'est comme ça que l'homme était rejeté par Dieu. Et Jésus est venu sur la terre pour nous racheter. Nous te saluons, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, toi qui es en ligne. Nous savons que tu attends ce programme depuis 10h30. Mais on a voulu te donner le temps et à d'autres aussi de s'apprêter comme toi afin que nous puissions faire ce culte. Un culte d'affectation, un culte d'impartation. Parce que l'humain aura continuellement besoin du divin. Et comme humain, toi et moi, nous devons avoir toujours soif de ce grand Dieu. Comme il est stipulé dans le psaume 42, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme a soif. Mon âme a soif. Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Amen. Tu as passé toute une semaine, peut-être épuisé par le travail, peut-être épuisé par des problèmes, par des stress. Mais ce matin, voilà que nous entrons dans son parvis avec des cris de joie, avec des acclamations. Amen. Nous célébrons sa présence. Amen. Nous célébrons son amour. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est pour que tu entres déjà, que tu sois déjà dans les bains spirituels pour faire le culte. Nous ne sommes pas dans une émission, nous sommes dans un culte. Si tu peux te rouler sur la terre, fais-le. Si tu peux t'agenouiller, fais-le. Si tu peux te mettre debout, fais-le. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Dans le culte, il y a le règne de Christ qui est là. Oh, Jésus, tu es là au milieu de nous. Parce que tu as dit là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom. Je suis au milieu de nous. Commence à adorer le Seigneur. C'est son jour aujourd'hui. Un jour pas comme tout autre. Le jour où nous célébrons la résurrection de Christ. Merci pour ta bonté. La vie est faite le roi, mais on t'y connaît. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta protection. Merci pour la vie dans ma vie.
À Dieu, que cette semaine que je commence, tu sois avec moi du début jusqu'à la fin, que tu sois avec mon pays, que tu sois avec notre continent, que tu sois avec les bien-aimés de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique et même de toute l'Asie, de partout au monde. Que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec toi dans le travail, qu'il soit avec toi dans les affaires, qu'il soit avec toi dans la maison, dans tout ce que tu feras, qui soit avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu es le plus fort de ces gens. Tu es le plus prié de tes enfants. Tu es le premier de tes enfants. C'est toi qui es. Que ton âme est bien, Seigneur. Dans ma vie, dans notre pays, devant la pandémie, devant les difficultés de la vie, je déclare que si le peuple s'y quitte, invoque mon nom, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai. Nous allons prier, demander à Dieu qu'il pardonne l'humanité tout entière, le monde entier, afin qu'il puisse guérir notre pays, qu'il guérisse nos vies, qu'il enlève la pandémie COVID-19, qu'il enlève les obstacles à l'épanouissement, au développement de notre pays et de tout ce que nous sommes comme êtres. Bien-aimé sur la terre, tu n'es pas venu comme un touriste, mais tu dois vivre le bonheur de Yahweh. Dieu nous veut bonheur, le bonheur depuis le commencement. La Bible déclare qu'il a créé l'homme à la fin, mais il avait déjà tout créé. Or, c'est l'homme qui est la créature merveilleuse. La créature merveilleuse, mais Dieu l'a créé à la fin. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme aura besoin de l'eau. Et il a d'abord créé l'eau, avant de créer l'homme, afin que l'homme ne crève pas. Il savait que l'homme aura besoin de la viande et il a créé les animaux avant qu'il ne crée l'homme. Parce qu'il voulait que l'homme ne puisse pas souffrir. C'est comme ça qu'il a réitéré même sa promesse. Il a déclaré dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix, de bonheur et non de malheur. » Est-ce que tu peux demander à Dieu pardon pour ton pays, pour ta famille, pour ton mari si tu en as un, pour ta femme si tu en as une, pour tes enfants si tu en as, pour tes frères et sœurs, pour les membres de ton église, Ebenezer, et pour la République démocratique du Congo. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il guérisse notre pays, qu'il enlève les malédictions, qu'il enlève le blocage, que Dieu agisse dans ce pays, que Dieu agisse en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Pardon, Seigneur. Guéris notre pays de la pandémie COVID-19.
personnes de blocage, de problèmes spirituels, financiers, de problèmes organisationnels, administratifs, toutes sortes de problèmes. Que tu me libères de toi. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Toi qui viens, qui gères, qui guéris. Guéris nos soeurs. Enlève le mal de malheur. Et donne la victoire. Le cœur de l'homme est mauvais, méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Il peut te montrer la face A, mais après quelques secondes, quelques minutes, il te montre la face B. Les Jésus, Jésus entrait à Jérusalem. On a tendu le pagne, on l'a acclamé, on l'a sorti de la mort. Hosanna, Hosanna. Mais le vendredi, il fallait libérer quelqu'un. Et ils ont dit, crucifiez-les. Les mêmes personnes qui nous font du bien, ce sont les mêmes personnes aussi qui peuvent nous faire du mal. Mais nous avons besoin que l'humanité change. Pendant ces moments de Covid, il faut tirer beaucoup de leçons. La gestion du temps, il y a des gens qui s'abusaient de leur temps. Aujourd'hui, on peut dire qu'on arrête le marché à 15h, mais il y a des gens qui vendaient jusqu'à 21h. Ça préjudiciait même leur mariage. Il y a eu des mauvaises conduites partout. L'insalubrité, les gens n'ont pas la culture. On pouvait trouver les gens manger, on mange sans laver les mains. Mais aujourd'hui, on a appris quand même l'hygiène, des règles hygiéniques. Il y a beaucoup de choses qu'on a apprises, mais on doit changer. J'étais quelque part, je vois un pasteur entrer dans une maison sans toquer. Waouh! Je dis, mais non. Les chrétiens doivent être éduqués. Et même l'éducation doit aussi être renouvelée dans l'église du Seigneur. Les gens doivent savoir respecter les autres. Les supérieurs doivent respecter les inférieurs. Les inférieurs doivent respecter les supérieurs. Les égaux doivent s'aimer et s'entraider. Et nous croyons que tout cela n'est possible qu'avec la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu peut changer quelqu'un. Dans mon ministère, j'ai vu des femmes prostituées abandonnées. J'ai vu des pasteurs qui étaient des brigands l'autre fois. J'ai vu des magiciens abandonnés. Mais tout ça, c'est par rapport à la parole. Car il est écrit dans Ésaïe 55, à partir du verset 10, qu'il en est de ma parole, que quand elle tombe, elle ne peut pas rentrer chez moi, sans que ça puisse se produire des effets. C'est comme une pluie qui arrose, et la terre est obligée d'être arrosée, et aussi de donner la fertilité pour que les arbres poussent. L'Esprit de Dieu ce matin, le Saint-Esprit, peut donner la force à quelqu'un. Mon frère, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de prier, mais avec l'œuvre du Seigneur, avec son onction, la puissance de Dieu va te donner la force de prier. Il y a des gens qui, quand ils veulent écouter la parole, ils dorment. Mais quand il faut oser, ils rigolent. Ils font ce que les Français appellent, ils ricanent. Il va rire à gorge déployée, comme un voyou, mais c'est un papa. Mais s'il faut prêcher, il dort. Ou il se gêne, il dit non. Ça ne tient pas. Mais demande la puissance de Dieu. Demande que l'onction de Dieu puisse te toucher ce matin et te donner la force de faire les choses selon Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Ta puissance. Fortifie tes enfants, Seigneur. Que nous sommes. Que ton esprit nous fortifie. Que ton esprit nous soutienne. Que ton esprit nous donne la force. Viens me prier, même à la maison là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te donne la joie, t'oriente. Que le Saint-Esprit te donne la force de résister au péché. Que le Saint-Esprit te donne la force d'abandonner l'égoïsme. Que le Saint-Esprit te donne la force d'enlever le mal en toi et que tu pratiques le bien. Que le Saint-Esprit te change. Change ta nature pécheresse. Change ta nature égoïste. Change ta nature méchante. Que tu sois renouvelé à travers le Saint-Esprit et son action. Alléluia.
Bien-aimé, ce matin, que chacun prie d'abord pour soi-même. Parce que le psaume 65, verset 2 à 3 déclare, oui, c'est tout le verset 3, que oh, toi qui écoutes les prières et qui exauces, voilà, les hommes viendront à toi. Oh,
Seigneur, merci pour ton amour. Voilà que nous voulons écouter ta parole. Que cette parole puisse transformer la vie de quelqu'un. Et que cette parole qui est la lumière à nos pieds, Seigneur, puisse nous guider. Que ton esprit conduise tout de mes démettre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions si belle. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons écouter la parole de Dieu. Le thème que nous donnons au message de ce matin, c'est tout simplement les clés des bénédictions. Les clés, beaucoup, les clés des bénédictions. Nous croyons à Dieu, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui est en train de conduire la destinée de ce monde, parce que c'est le monde que lui a créé. Je vais écrire, on va lire quelques textes bibliques, mais le premier texte, c'est Deutéronome chapitre 28, du verset 1er jusqu'au verset 3. Deutéronome chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 3. Mais tu peux aller jusqu'au verset 14. C'est mieux qu'on aille jusqu'au verset 14 pour que nous puissions très bien élucider ce dont Dieu nous a mis à cœur. Les clés des bénédictions. Est-ce qu'on peut nous lire Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 3? Deutéronome chapitre 28, le premier verset. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. C'est la parole de l'Éternel. On continue jusqu'à verset 14. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Oui. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée. Oui. Et tu seras béni à ton départ. Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Oui. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Oui. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Yes. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Yes. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères et de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Continue.
tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'apprêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bien-aimés, nous parlons ce matin des clés de bénédiction. Au fait, la clé, c'est quoi? Quelqu'un peut comprendre que la clé peut paraître une petite pièce, un petit outil qui permet d'ouvrir quelque chose. On a plusieurs sortes de clés. Et on peut aussi avoir la définition de la clé comme un matériel qui nous permet d'accéder, de dégager une porte afin que nous puissions y pénétrer. Et la Bible nous dit immédiatement que si nous sommes obéissants, dans les textes que nous venons de lire, on commence par la première clé, c'est l'obéissance. Bien-aimé, l'homme, depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, tu vas toucher à cet arbre, tu vas toucher à l'autre arbre, et serait bien. Mais ne touchez pas à cet arbre ici, de la connaissance du bien et du mal, et ne touchez pas à l'autre arbre, n'est-ce pas, qui était l'arbre de vie. Mais l'homme, trompé par le serpent, a désobéi à Dieu. Et cela a valu à l'homme le fait d'être rejeté par Dieu. Parce que l'homme a détruit. C'est là où je dis souvent aux gens que quand aujourd'hui les pasteurs, les hommes de Dieu parlent de la déviation de la doctrine, mais quand est-ce que la déviation de la doctrine a commencé? C'est depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Parce que la doctrine, au fait, c'est un ensemble de principes qui dirigent une vie. Même dans la vie des avocats, ils ont leur doctrine. Même dans la vie de l'Église, nous avons la doctrine de l'Église. Même dans la vie des médecins, ils ont la doctrine des médecins. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme a refusé d'obéir à Dieu. Mais il a accepté la proposition du serpent. Et cette désobéissance a coûté à l'homme d'être chassé du jardin. Donc, l'obéissance, c'est la première clé. Ici, dans Deutéronome, quelqu'un peut interpréter Deutéronome littéralement, il dit, c'est Deuteros Nomos. C'est-à-dire deuxième loi. Mais en réalité, ce n'est pas la deuxième loi. Dieu n'a pas donné de loi. Dieu n'a donné qu'une seule loi. Mais parce qu'il sait que l'homme, depuis le commencement, c'est quelqu'un qui a le courage, c'est quelqu'un qui a l'oreille dure et qui a l'oubli facile par rapport à ses intérêts, Dieu a répété la loi. Et on n'appelle pas Deutéronome, Deuteros Nomos, dans une traduction littéraire ou littérative, comme j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, les papas de toi. Or, il faut dire mon père. Alléluia. Il y a les gens qui lisent la Bible comme si c'était le livre de leur grand-père. Mais il faut lire la Bible avec les lunettes de la Bible, avec l'oreille de la Bible, avec les yeux de la Bible, et tu vas comprendre des choses. Quand on dit Deuteros Nomos, cela veut dire la répétition de la loi. Dieu n'a fait que répéter la loi. Parce qu'il en avait déjà donné depuis Exode. Moïse est descendu de la montagne avec des tablettes de loi. Et à la colère de ce que le peuple a fait, il a cassé les deux tables. Et après, Dieu a remis encore la loi à Israël. Mais il ne fallait pas laisser l'homme comme ça. Et même toi à la maison, papa ou maman, tu donnes la tâche à ta fille. Il faut la rappeler. Parce qu'elle peut oublier, elle peut se jeter dans d'autres choses et ça va te faire du mal au cœur. L'homme aime qu'on le répète toujours des choses. La répétition, disent les Français, est la mère des sciences. Wow. Il faut répéter, il faut reprendre. Tout ce que nous faisons à l'église, pasteur, tu as prêché depuis janvier, jusqu'à maintenant tu prêches.
Tu as prêché en 2019, tu as prêché en 2018, en 2014, en 2000. Pour certains, même en 1920, ils ont prêché. Même pour certains, en 1950, ils ont commencé à prêcher. Là, on n'était pas encore né, mais il y avait la prédication. Pourquoi? Parce que on doit toujours répéter pour que l'homme soit averti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien les gens d'une religion que j'étais le nom. Je partageais avec un de leurs que j'ai gagné au Seigneur. Qui disait que non, chez nous, notre leader dit attention, sinon tu vas tomber dans les trous. Mais il ne répète pas. Mais chez nous, Dieu répète. Mais l'avantage pour nous, c'est que même s'il répète et que nous tombons dans les trous, il ne va pas nous contempler, mais il va descendre dans les trous pour nous récupérer. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Le monde, c'est comme un grand trou. L'homme n'était pas ici, l'homme était ailleurs. Mais quand il a péché, Dieu l'a rejeté. Jésus a abandonné la gloire et il est revenu sur la terre dans les grands trous, dans l'abîme pour nous prendre. C'est comme ça que j'ai la joie qu'aujourd'hui, moi je vais voir Dieu. Amen. Et toi qui as reçu Jésus, tu verras aussi Dieu. Amen. Bien-aimé, l'obéissance, c'est une des clés majeures. Quand tu obéis, Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations. Amen. Wow. Les nations, c'est quoi ici? C'est pas que je suis congolais de la RDC. Oh, on va me donner la supériorité sur les gens de Congo-Brazza ou de l'Angola. Les nations sont des problèmes que tu vas raconter, amen, mon frère. Amen. Tout ce que tu raconteras sur la terre, si tu obéis à Dieu, tu sortiras vainqueur. Amen. Parce que le psalmiste a bien digéré. Au psaume 60, verset 14, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, amen, et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. L'obéissance. Vous savez, dans une des émissions que j'animais à l'époque, le thème était « Pourquoi les héros sont-ils tombés ?» Les héros sont-ils tombés ? Et je prie le livre de 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Il y a un héros du nom de Saoul. Il ne savait pas, il n'est pas passé roi par des élections. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Le roi Saoul n'est pas passé au trône par l'élection, non. Comme on va le faire en 2023, si possible. Alléluia. Amen. Mais c'est dans 1 Samuel chapitre 9 que Dieu a parlé avec Samuel. Que demain, je t'enverrai quelqu'un de la tribu de Benjamin et tu vas loindre roi de mon peuple Israël. Parce que Dieu, depuis Genèse, tu passes tous les cinq livres du Pentateuque qu'on appelle les cinq premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après ces cinq livres-là, tu prends l'époque où Josué est arrivé aux commandes parce que Moïse était descendu. Et après Josué, il y a le livre des Juges où il y a eu des cycles compliqués où les hommes se comportaient comme ils voulaient. Et après, Dieu a compris dans 1 Samuel chapitre 8 que Israël a dit à Samuel, non, nous en avons assez avec la théocratie. En théologie, quand nous disons la théocratie, théos, kratos, théos, c'est-à-dire Dieu, théo, quand tu as un autre théo, c'est Dieu, théophile, alléluia. Amen. Écoute, et la théocratie, Dieu lui-même était le roi. Kratos, la doctrine, l'administration, le gouvernement. C'est-à-dire, Dieu était le roi d'Israël. Un roi invisible, paix à son âme, à l'un ou l'autre, qui disait, gloire à toi, le roi invisible. Amen. Alléluia. Amen. Il était le roi invisible. Mais Israël a commencé à regarder à gauche, à droite. Et ils ont vu que d'autres nations avaient des rois physiques. Et ils ont dit à Saoul, arrête, messieurs. Tu es prophète, oui. Dieu t'a envoyé, oui. Mais aujourd'hui, arrête avec ton histoire. Tu dois nous établir un roi physique, un homme que nous voyons. L'homme n'aime toujours pas totalement ce que Dieu veut. L'homme est insatisfait. Tu vas voir un homme marié, mais il jette le regard par terre, en cours de route pour aimer encore d'autres filles. Impudique, mon frère, tu dois changer. Tu vas voir une femme mariée, mais qui jette des regards à gauche, à droite pour avoir des hommes, même si son mari n'a pas une jupe.
Maman, tu as accepté cet homme, accepte-le. Même des gens qui sont des ministres ou qui ont des jeeps, ce n'est pas ton affaire. Ton affaire est réglée, tu as ton mari. Voilà là où la désobéissance vient. Et Israël a refusé d'obéir à Dieu. Et ils ont rejeté Samuel. Mais Dieu a dit à Samuel, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'intéresses? Tu cries pour Israël. Moi, ce n'est pas moi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Alors je vais les établir en roi. Comme ça que lui-même Dieu a permis que le roi Saul arrive. Par la volonté des hommes. Parce que dans la Bible, il y a ce que nous appelons la volonté permissive et la volonté parfaite. Ça, c'est un autre enseignement de notre jour. La volonté permissive, c'est quand l'homme presse Dieu. Donc, avec un cœur chaud. Et comme Dieu aime toujours être à l'écoute de l'homme, il dit, bon, voici ma fille, je te donne. Mais à la fin, c'est toi-même qui vas tirer des conséquences. Il y a une de mes filles qui avait pris un fiancé de l'église que j'étais le nom. Il n'était pas trop converti. Je lui ai dit, dans cette église-là, on prend la bière. Dans cette église-là, il se comporte comme il se comporte. Est-ce que tu sauras? Oh non, on a gagné. J'ai dit, ah bon, il y a un deuxième Saint-Esprit. Et après des temps, elle vient me dire, hey, papa Tika, je laisse. Le monsieur, quand je viens, c'est pour préparer et après il ferme la porte. Nous sommes à deux seulement, imaginez. Avec deux bières à côté, il boit. Et la suite, c'est quoi? Et la dame dit, non, notre pasteur n'a pas dit ça. Et il dit, ici, c'est pas le pasteur, c'est moi. Mais j'ai déjà fait la présentation. C'était un problème. Et ça s'est arrêté là où ça s'est arrêté. La désobéissance. Écoute. L'homme a des besoins où il se sent toujours insatisfait. Non. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Saoul, lisez-moi un peu 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. Saoul est allé dans la bataille avec les Amalécites. Écoutez, Dieu l'a dit, tout ce que vous allez trouver, il faut le voir à l'interdit. Mais lui, il a pris des bœufs. Bangombe à Mafuta. Il a dit, ça, il faut mettre à côté, c'est pour moi. Comme le leader de ce monde, je ne cite pas le nom des gens. Quand on te place ministre quelque part, tu penses que cet argent-là est venu pour toi et ta femme. Tu auras même beaucoup d'autres femmes. Non, c'est l'argent de l'État. Lecture. Et c'est Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Waouh! Écoutez! Saoul n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Il a rejeté, n'est-ce pas, la parole. Et voilà que Dieu aussi les rejette. Et Dieu a dit à Samuel, va oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Et c'est là qu'on a oint David comme roi à la place de Saoul. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Première conséquence, ils ont oublié la source. Saoul a oublié que ce n'était pas les élections qui l'ont amené au pouvoir. Mais c'était Dieu lui-même qui l'a permis d'être roi. Mais Dieu te dit, tu dois vouer tout à l'interdit. Même les vaches qui sont grecques, qui ont des graisses là, tuez-les, tuez tout. C'est comme une fille qui vient au Seigneur. Mais Dieu dit, tu vois tes anciennes jupes là, qui sont des petites jupettes, que tu te prostitues avec, brille ça. Est-ce que moi j'ai l'argent pour acheter? Je vais me porter. Là, tu n'obéis pas à Dieu. Dieu dit, abandonne ça. Il y a aujourd'hui dans les églises que nous conduisons, quelqu'un va aller tuer les gens avec sa sorcellerie.
Mais il vient à l'église avec des grosses dîmes de 10 000 dollars. Péris avec cet argent-là. Vous savez, si on me demandait, j'allais dire, il faut qu'il y ait une commission. Avant que quelqu'un ne paye sa dîme, on lui pose la question. D'où vient cet argent? Cet argent vient d'où? Hein, de la prostitution. Mère avec ton argent. Alléluia. On pense que les pasteurs ont toujours besoin de l'argent. On vient nous mentir. On va voir un frère qui veut. Alléluia. Non, le Dieu de notre Père est un Dieu tout-puissant. Il m'a béni avec l'argent. Or, c'était un occultiste. Il a tué les gens. Et c'est l'argent au prix du sang. Bien-aimé, c'est terrible. L'obéissance. Donc, la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a les gens qui pensent toujours que non, je vais amener des enveloppes au pasteur. C'est bien. Ça va faire l'œuvre de Dieu. Mais toi, sache que tu n'as pas la place au ciel. Tu n'as pas la place. Tu n'as pas la place. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'aimerais bien dormir enfamé. J'aimerais bien. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu. Frère, je vais vous exhorter. Il a toute une liste de fidèles. Il va commencer à appeler, à envoyer des messages. Devenir un mendiant spirituel. C'est vrai, nous tous, on a des besoins. Je peux appeler une fois. Ça arrive. Mais il ne faut pas en faire carrière. Celui qui t'a enrôlé, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui t'a enrôlé. Les militaires, les policiers, quand ils sont enrôlés, ce ne sont pas eux-mêmes qui vont acheter des bottines. Non. Le gouvernement va les doter. Le ciel restera ouvert sur toi et tu seras béni. Amen. C'est le moment où après le Covid, on doit restaurer les sacerdoces. Amen. Que les hommes aient le respect de la parole et le respect de Dieu. Amen. Écoute, il y a des frères et sœurs qui n'obéissent pas à la parole. Mais quand ça bat, on vient vite, pasteur, pasteur. Mais il faut obéir à la parole. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a témoigné, un pasteur, qui était sous la couverture de son pasteur. Mais il a eu beaucoup d'argent. Pour payer la dîme, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de donner à son pasteur quelque chose comme qui représentait comme 10 000 dollars, il donne à son pasteur 1000 dollars dans l'enveloppe. Et il demande à sa femme de faire les achats. 4 tons de pioli, 4 tons de poulet, sac de foufou, de maïs, de farine, du riz, des huiles, les consorts. Pasteur sera content. Grande provision. Et il vient déposer. En tout pour tout, il n'a dépensé que 1600 dollars. Mais il a volé son pasteur de 8400. Mais il a raté un grand marché. Et il dort. On le fait à la lettre 2. Et il va interpréter, ah, parce que je commence à fuir l'équipe de dimanche. Non, la dîme, tu as menti. Il a raté un grand marché de plus de 300 000 dollars. Bien aimé, on doit être sérieux. Il faut obéir à Dieu. Des fois, c'est dur, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. L'obéissance, si tu obéis, vous savez, la liste des bénédictions, même la victoire sur un combat, c'est une bénédiction. Au verset 7, n'est-ce pas, de Deutéronome 28 qu'on a lu, on dit, on viendra te combattre par un chemin, mais ils vont fuir par ce chemin. Et toi, tu sortiras vainqueur. Ce n'est pas toi qui vas battre ces hommes, mais c'est Dieu. Toi-même, tu seras incapable de dresser sept chemins au même moment. Mais c'est Dieu qui va créer ces sept chemins. Et ces gens vont fuir parce que Dieu va les combattre. Au verset 8e, la Bible dit, et l'éternel Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi partout et toujours. C'est important à cause de l'obéissance. L'obéissance, je peux en faire tout un séminaire de 2, 3, 4, 5, 6 mois. L'obéissance. L'obéissance à Dieu et aussi à sa parole. L'obéissance même aux autorités du pays, c'est important. C'est important. Tu n'as pas lu dans Romains chapitre 13, la Bible déclare que le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Il faut obéir aux leaders d'église. Est-ce que tu respectes ton pasteur? Il y a un pasteur qui m'a envoyé très loin une image sur un pasteur qui fait la délivrance. Mais dans le dos du fidèle, il n'y a qu'une seule flèche. Mais dans le dos du pasteur, plus de 7 à 8 flèches. C'est-à-dire, on lance des flèches pour que le pasteur soit découragé. Il ne délivre pas la personne. Et
Le commentateur dit, le pasteur souffre à cause des fidèles. Est-ce que tu obéis à ton pasteur? Est-ce que tu obéis à ton leader du département? Parce que quand on travaille dans une église, dans une structure, celui qui est au-dessus de toi a reçu le mandat du pouvoir de son chef. Mais est-ce que tu obéis à ces gens? C'est ce qui fait que les églises soient fermées. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, l'obéissance aux autorités du pays, à toutes les structures, à la maison, est-ce que tu obéis à ton mari? Que je te parle de la reine de Vati, très belle qu'elle était, et le roi Cyrus qui dit, bon, venez vous tous, je vais montrer la beauté de ma femme. Viens ma femme. Et Vati qui dit, sia, je ne peux pas. Elle a désobéi et immédiatement elle était tombée. On l'a répudié et le mariage était fini. Le fait d'être appelée reine s'est arrêté là. Et c'est comme ça que la reine Esther est venue remplacer. Après une épreuve. Bien aimé, la femme doit obéir à son mari. Parce que le mari doit aimer sa femme. La soumission, c'est une autre manière d'obéir et d'aimer aussi. Que je parle des enfants, Éphésiens chapitre 6, la Bible déclare à partir du verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents. Parce que c'est le premier commandement avec promesse que tu vas durer sur la terre. Tu vois, tu es court de tes jours parce que tu n'obéis pas à ton père, à ta mère. Parce que tu as des biceps, tu es très élancé, comme mon junior qui tend à me dépasser par la hauteur. Mais il doit me rester soumis, il doit m'obéir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important, l'enfant doit obéir à ses parents. Mais il est dit aussi que les parents ne peuvent pas irriter ses enfants. Mais les parents ne peuvent pas, n'est-ce pas, donner de la colère, de l'aide, de chagrin dans les cœurs des enfants. Bien-aimé, l'obéissance est à tous les niveaux. En Europe, semble-t-il, je n'ai jamais été là. Les enfants arrêtent leurs parents à cause du manque de respect de leurs droits. Les enfants arrêtent les parents, font arrêter les parents parce qu'ils n'obéissent pas aux droits des enfants. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'obéissance est une des grandes clés. Si tu obéis, tu auras la supériorité sur toutes les nations et tu seras aussi béni. Dans la ville, dans les champs, dans les bétails, dans les menis, dans les gros, partout. Et vous serez la tête et non la queue. Amen. Vous serez en haut et non en bas. Tout ça, clé, obéissance. Si tu obéis, tu vas vivre toutes ces choses. Mais si tu n'obéis pas, Dieu est compliqué, hein? Si tu continues la lecture au verset 15 de Deutéronome chapitre 28, est-ce qu'on peut lire? Si tu n'obéis pas, maintenant il y a toute une liste de malédictions. Ok? Deutéronome 28, verset 15. Hein? Mais tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta tiche seront maudites. C'est ça. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portes de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Waouh! Tu peux t'arrêter par là, mon fils. Merci. Donc, vois ici qu'il y a maintenant la liste des malédictions si tu n'obéis pas. Mais je crois qu'après Covid, ici, après ce confinement, quand les activités vont reprendre, il faut qu'on soit sérieux. Tous, qu'on obéisse, qu'on soit obéissant. Et on va voir beaucoup de choses aller bien. Ça fait un jour, j'ai publié un article, j'ai dit, dans mon pays, RDC, on prie beaucoup. Semble-t-il, il y a 90% des chrétiens. 10% seulement qui ne sont pas des chrétiens. Mais ce n'est pas seulement la prière qui va faire développer ce pays. Non, c'est par le travail et par l'obéissance au principe. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous prions, Cyrine Memerie, 14, 22 églises. Waouh! Les pasteurs se querellent, se disputent les fidèles. La prière, 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 prière. Mais les choses ne marchent pas. C'est important. On doit changer. Ça, c'était la première clé, l'obéissance. La deuxième clé, c'est la repentance. Tu vas être béni. Si tu tombes, il ne faut pas rester par terre, mais il faut te repentir
demander pardon à Dieu et réparer. Proverbe 28, verset 13 à 14. Que dit la Bible? Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Rapidement, parce qu'on doit donner 3 ou 4 clés aujourd'hui, on va s'arrêter. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14, oui. Que dit la Bible? 13 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui cache ses transgressions ne progresse point. Ne prospère point. Ne prospère point. Ok. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Voilà. Errer l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Waouh! Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si tu fermes ton cœur, tu endurcis ton cœur, tu tomberas dans les malheurs. Mais tu dois plutôt te repentir. Il faut se repentir à tout moment. David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Waouh! Mais David, je pensais que c'est quelqu'un qui n'avait pas de défauts. Or, il a tué Uri, son serviteur, il a arraché sa femme Bathsheba. Qu'il a eu même l'enfant avec cette femme. Parce qu'il a vu sa nudité. Mais c'est celui-là que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Parce qu'il était repentant. Il a demandé pardon à Dieu de tous les actes qu'il a posés. Mais toi, si tu endurcis le cœur, si tu endurcis ton cœur, tu vas tomber dans les malheurs. Mais tu dois changer, tu dois te repentir. Troisième clé, c'est la sainteté. Jean chapitre 9, verset 30 à 31. La sainteté. L'évangile de Jean chapitre 9, verset 30 à 31. Rapidement. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Ok. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire pratiquer la sainteté. Parce que Dieu est saint, il faut que nous aussi nous soyons saints. Jean chapitre 9, verset 30 à 31. N'est-ce pas? La troisième clé, c'est la sainteté. Il faut mener la sainteté. Même si tu n'as plus de babouche, viens même pieds nus à l'église, ma soeur. Et je te rassure qu'en rentrant, tu vas rentrer avec des babouches. Amen. Même ton pasteur peut dire, non, prends 2000 francs, achète les lagos. Alléluia. Amen. Mais parce que nos cœurs sont remplis de l'orgueil et de beaucoup d'estime de soi. Moi, pieds nus, on va rigoler de moi. La sainteté. La sainteté. Dieu a dit à Moïse, ne t'approche pas de ce lieu avec tes chaussures, parce que c'est une terre sainte. Et que c'était quel souci? C'était le péché. Parce que Moïse avait tué l'Égyptien, il l'a caché dans la poussière. Il croyait que dans le sable, il croyait qu'on ne l'a pas vu. Là où tu tues les gens, mon frère, tout le monde ne veut pas te voir, mais Dieu te voit. Amen. Il faut mettre de côté les pieds. Amen. Et mener une vie de sanctification, on sera béni. Et quatrième clé pour aujourd'hui, sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Si tu lis dans Actes des Apôtres chapitre 9, à partir du verset 36, on parle d'une femme renommée Tabitha Dorcas. Actes des Apôtres chapitre 9, à partir du verset 36, tu descends un peu. Dorcas donnait, n'est-ce pas, des tuniques aux veuves, et ses bonnes œuvres ont fait que quand elle est tombée, elle est morte, les gens ont appelé. N'est-ce pas, les gens ont appelé, je vais vous donner les versets. J'avais dit Jean, Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36. Tu vas compléter. Tu parles de 36,
jusqu'à 42. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 42. Donc, on parle de Dorcas Tabitha. Elle faisait pratiquer des bonnes œuvres, mais immédiatement, elle a eu la bénédiction de la résurrection. Quand elle était morte, les veuves ont dit, voilà les dynamiques qu'elle nous a donné. On a appelé Pierre, et Pierre a prié, et la veuve, quoi, elle, cette femme Dorcas était revenue à la vie. Que je ne parle d'Abraham qui a nourri les trois personnes. Dans Genèse chapitre 17 et chapitre 18, on dit qu'après avoir mangé, ces gens ont béni Abraham. Et Abraham a reçu son fils Isaac. Bien aimé, il y a beaucoup de clés de bénédiction. Mais la plus grande de ces clés, c'est d'abord l'obéissance et l'amour de Dieu. Si tu le mets en pratique, tu seras béni. C'est la parole de Dieu ce matin. Amen. Toi qui veux être béni, Dieu te demande d'être obéissant, de pratiquer la sainteté, de pratiquer des bonnes œuvres, n'est-ce pas? Et aussi de toujours espérer en lui, dans l'amour, et tu verras des bonnes choses. Nous allons prier maintenant. Tu peux toucher seulement ta tête là où tu es, avec tes deux mains. Ou si tu as ton téléphone à main, pour ceux qui prient avec nous en ligne, tu touches seulement ta tête avec une main, et moi je vais prier. Et toi aussi tu pries toi-même dans le cœur, que Dieu te donne des bénédictions, que Dieu ouvre des portes ce matin, et que tu entres dans des bénédictions. Là où tu as eu à te reprocher, que Dieu soit glorifié, et que tu puisses changer tes attitudes, et tu verras ce que Dieu est capable de faire pour toi. Seigneur, je bénis ton peuple, ceux qui ont écouté ce matin, que tu accordes la vie à chacun. Si toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la porte de mariage s'ouvre pour mes soeurs et pour mes frères, au nom de Jésus. Que la porte de maternité, de la fécondité s'ouvre pour ceux-là ou celles-là qui n'avaient pas d'enfants, au nom de Jésus-Christ. Que la porte du travail s'ouvre pour le chômeur, au nom de Jésus-Christ. Que la porte de la guérison s'ouvre et de la bonne santé pour ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ. Que la porte du ministère s'ouvre pour ceux qui aspirent à servir Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que la porte de bénédiction s'ouvre dans tous les domaines. Recevez le miracle, au nom de Jésus. Que tout ce qui te lie dans les péchés, dans les mauvaises choses, dans les masturbations, dans les mensonges, dans la prostitution, dans la drogue, dans les couloirs, dans les mauvaises choses, dans le banditisme, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, tout ce qui te lie dans ces choses, dans la fornication, dans les incestes, au nom de Jésus, que ces choses soient brisées et que toi tu sois libéré. Que la main de Dieu te gère et te donne la victoire. Seigneur, je prie pour l'église de mon pays, que partout où les enfants de Dieu sont rassemblés maintenant, ils reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Pour l'église pentecôtiste d'Ebenezer, que tous mes fils et mes filles reçoivent le miracle au nom de Jésus. Que les portes de bénédiction s'ouvrent, Seigneur, et que tu les accordes, tu les affectes par ce message, et qu'ils soient changés pour que l'église soit relevée et que notre église soit une église forte à travers la puissance que tu nous donnes. Je bénis mes fils et mes filles. Je bénis l'église du Congo. Je bénis l'église de l'Afrique. Je bénis l'église de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, partout, au nom de Jésus, là où vous êtes, mon frère, même à Paris, à Londres, aux États-Unis, Canada, Israël, partout, à Kinshasa, partout où vous nous suivez, au nom de Jésus, que Dieu vous donne la victoire et que les portes s'ouvrent. Ce qui était fermé devant toi, parce qu'il y a un thème que nous préparons, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise, la parole de Dieu, c'est comme l'épée spirituelle qui coupe. La parole de Dieu, c'est une puissance pour les salis, comme c'est déclaré dans Romains 1, 16 à 18. Que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour les salis de quiconque qui croit. Ce matin, c'est lui qui croit, qu'il reçoive la guérison, au nom de Jésus. Qu'il reçoive la délivrance, au nom de Jésus. Qu'il reçoive la paix, au nom de Jésus. Que tout ce que vous avez comme besoin revienne avec des solutions dans vos cœurs. Soyez bénis en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi, Père. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué, nous sommes arrivés à la fin.
de notre culte en ligne. Que Dieu te bénisse. Nous savons que vous êtes nombreux. Peut-être que tu vas nous suivre après. En différé, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Que Dieu bénisse votre famille qui nous suivait en ce moment. Que Dieu soit avec vous. Que la semaine que nous commençons soit une semaine douce et meilleure pour toi et pour notre pays aussi. Que la main de Dieu nous gère en toutes choses. Soyez bénis. Rendez-vous pris, c'est pour le mercredi à partir de 18h30. Déjà à 18h40, on sera en ligne. Et 18h30, on démarre avec notre culte d'enseignement. Et le titre de l'enseignement, c'est la parole de Dieu. On va vous révéler la parole de Dieu dans toutes ses dimensions et dans toutes ses capacités. Et le vendredi, ce sera un culte de délivrance, de combat spirituel. Et n'hésitez pas de nous appeler au téléphone, peut-être pour une prière. Et on est toujours là, on va prier avec toi. Le dimanche, encore comme ce dimanche, on sera dans un culte d'adoration et d'édification. Soyez bénis, c'est votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka Bosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Moi et mes fils et mes filles qui sommes ici, nous vous saluons et nous vous aimons. À tous les membres de l'église pentecôtiste Ebenezer, que Dieu vous bénisse. Même celui qui n'a pas un téléphone Android, mais que cette prière te touche là où tu es et que Dieu se souvienne de moi dans ta vie et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen.